Eh bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'intervalle training. Donc toujours sur le même principe, petit échauffement de quelques minutes en musique et ensuite on fera hein, des séries de 6 mouvements qu'on répétera 3 fois 40 secondes et on finira avec un peu de renforcement musculaire. Voilà, j'en dis pas plus. On commence avec notre échauffement. Donc, on va prendre nos 6 mouvements là de cardio training, d'intervalle training. Donc, je vous montre hein, les premiers. On reste 40 secondes. On fait la première série, on finit de s'échauffer. Hein, donc, je vous montre les deux options comme à chaque fois. Ici, le premier, ça va être
fente latérale, donc j'ai une jambe tendue, une jambe pliée. Je pousse les fesses derrière, hein, comme un squat, le dos long. Je reviens ici, pied serré, et je descends squat simple. Ça, c'est l'option 1. Et je pars de l'autre côté. Hop, les deux pieds parallèles. Descends, remonte, échange. Reviens, descends, remonte, échange. Ça, c'est l'option 1, sans le saut. Et si vous êtes à l'aise, ça fait fente, descends, saute, échange. D'accord ? Donc, je réceptionne bien le saut avant de partir. Ok ? Vous choisissez l'option. On part sur 40 secondes. C'est à vous. Allez, descends, reviens. Je montre l'option sans le saut. Et fente latérale. Hop, monte, échange. Chop, descends, remonte, échange. Et si ça va, je mets le saut. Hop, descends, saute, réceptionne, échange. Descends, réceptionne bien, échange. J'amortis bien le saut. Je souffle bien. Hop, on étire bien. On respire. Première série. On finit de s'échauffer tranquille. Ok, relâchez. Très bien, ça c'était pour le premier. Le deuxième, travail en planche. Donc vous allez venir descendre pour vous placer sur votre tapis. Et je vous montre ici. Vous êtes en planche, on tire le poids du corps à l'arrière. Et je vais pousser les fesses derrière comme à la dernière vidéo. Mais je vais prendre appui sur ma main droite. Placer ma main gauche sur ma cuisse droite. Et je reviens en contrôle. Et je change. Pousse les fesses derrière, croise et reviens en planche sans abaisser trop le bassin et en restant aligné. Encore si ça ne vous convenait pas, on refait comme lors de la dernière vidéo, simple ici. Je passe de la pyramide à la planche. D'accord ? Donc on est parti sur 40 secondes. Allez, on y va. Option 1. Donc qui engage un petit peu plus les obliques et l'équilibre. Puisqu'on n'a plus que 3 points. Ou alors ici. D'accord ? Vous choisissez. On y va. Je souffle bien. Je travaille en contrôle. J'ai le dos hein, tonique, les bras solides. Et on tient. Bassin aligné avec les épaules. Je repousse le sol, je me grandis. Allez, encore un dernier. Ok, et je ramène un pied plus lourd. Et je remonte. Très bien. Alors, on va enchaîner. Pour le suivant ici, pied parallèle, largeur bassin. Je fais un pas en arrière. On fait toujours la même jambe, 40 secondes, puis toujours la même jambe de l'autre. Je descends en fente. Je remonte, option 1, kick. Fente, kick, fente, kick, sans monter. Sans partir en arrière, hein, ici. Sans arrondir le dos ici. Option 2, hop, petit saut. Et je repose. Petit saut. Et je repose. Je vais mettre de mes bras toujours. Hein. Ça va bien travailler dans les jambes et au niveau du cardio normalement. Je monte les deux options. C'est parti pour 40 secondes. On y va. Descends. Genou. Fente. Genou. Fente. Genou. Et si ça va, petit saut. Gainage obligatoire. On se grandit. On s'aide de ses bras, de sa sangle abdominale et on ne tend jamais complètement le genou. Allez, ça doit être en contrôle et maîtrisé. Allez, encore. Vous pouvez très bien ne pas faire le saut sur la première série hein, pour finir de vous échauffer tranquille. Ça travaille tout autant. Allez, et relâchez. Ok, et ben on enchaîne. Hein. Même chose sur l'autre jambe, on y va. Pied légèrement décalé, jambe derrière, je décolle mon talon, je dirige vers le sol, j'oublie pas le placement de mes genoux, et c'est parti, hop, hop, hop. Donc, hein, il y a un petit travail d'équilibre, il est bien possible qu'il y ait un côté où vous vous sentez moins à l'aise, c'est normal. Allez, encore, on souffle. On le sent bien hein, dans la jambe qui travaille, la jambe de terre. Pensez à vous grandir, on tient jusqu'au bout. Ok, relâchez.
prochain travail en planche. Ici. Donc, vous vous mettez avant votre tapis. Hop. Et on se place en planche. Bon, ici. Il va falloir avancer les mains un peu plus à l'avant des épaules. D'accord ? Là, j'ai le poids du corps sur mes talons. Je suis en planche, j'ai juste les mains plus à l'avant d'habitude. Et là, je vais venir pousser sur mes orteils pour me placer les épaules à la plante de mes poignets, sans remonter les fesses. Et tire dans les mollets, et pousse dans les orteils. Talons vers l'arrière, et pousse. D'accord ? Donc ça, pour travailler un peu plus au niveau des abdos, en serrant le bas de son ventre. Ou alors, je reste en demi-planche, et je me grandis. D'accord ? On y va sur 40 secondes, c'est à vous. Allez, j'ai les épaules un peu à l'arrière et je les rapproche en poussant dans mes orteils. Et on souffle. On sent aussi le travail musculaire un petit peu dans le bas du dos, faut pas le sentir dans les lombaires, on est bien d'accord. Sinon, je reste stable en demi-planche. Allez, on repousse le sol. De ses mains, le regard toujours vers le sol. Et on tient. Encore. Allez. Ok, je reste ici et je relâche. Et on se relève pour le prochain exercice. Donc là, c'est simple. Deux options sur le squat. Je me mets le profil là pour vous montrer. Donc je descends face vers l'arrière. Et je monte sur le demi-pointe en passant les bras sur le côté là. Hop. Poussez face derrière, monte sur demi-pointe. Donc le fait d'avoir un mouvement de bras va faire monter un peu le cardio, même si je ne fais pas le saut. Et si je suis à l'aise, hop, on y va. On fait le saut. C'est parti, 40 secondes. Je vous laisse vous mettre en place. Et on y va. Une, sans le saut, en montant sur les demi-pointes. Et deux, en sautant. Allez, on pense à bien respirer, à pousser dans les pieds, à serrer le bas du ventre pour amortir la réception. On ne doit rien entendre sur le sol. Je ne monte pas les épaules quand je monte les bras, toujours. Allez, encore. On tient. Ok, relâchez. Super. Allez, dernier exercice de cette série. Donc, c'est ici. Je viens m'allonger sur le ventre. Encore une fois, je vous propose trois options. En fonction de vos sensations dans le bas du dos, sachant qu'il faut vraiment plaquer le nombril contre la colonne. Hein. Donc ici, je pose le front sur mes mains et je décolle mes jambes en abaissant mes épaules. Ça, c'est l'option 1. Donc j'ai les cuisses décollées, le bassin dans le sol, pubis dans le sol et légèreté au niveau du nombril. Option 1 ici. Option 2, ici, en Superman. Option 3, je fais des mouvements de brasse. D'accord ? On est parti, votre option, vous la choisissez. C'est maintenant, 40 secondes. Allez. On souffle. Si je le sens dans les lombaires, si je le sens dans les épaules, j'ajuste les options. D'accord ? Donc, je peux être soit ici en brasse, soit ici en Superman, en décollant tout, en cherchant à ne plus toucher le tapis, soit ici, front sur les mains et je me fais une élévation des jambes. Allez. Donc là, on sent dans toute la chaîne postérieure, on met une résistance dans les bras comme si hein, on nageait. Une brasse, bras tendu. Je pousse l'eau, je ramène l'eau. Donc finalement, vous faites du sur place. Hein. Allez. Ok. Et tu relâches. Bien. On étire un peu le dos. Vous buvez un petit coup et on va enchaîner deux fois ça, d'accord ? Sur 40 secondes avec 15 secondes de récupération à chaque fois. Donc, vous buvez un petit coup et je lance le timer. Normalement, vous devez être bien échauffé. On va pouvoir mettre l'énergie. Donc, vous vous souvenez, le premier, c'était la fente latérale et le squat, hein, d'accord ? Fente, reviens, squat, et change de côté, d'accord ?
Donc on y va, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Fente latérale, pied parallèle, descend et on change. Ça c'est sans le saut. Si ça va, je rajoute un petit saut et je change. Tonique sur les jambes, tonique au niveau du dos. Allez. Ok, on relâche. Vous avez 15 secondes. Donc, on respire bien. Et on va chaîner avec la planche. Et planche 3 points. Ici. Hop. On se met en place. Planche. Et c'est parti. Je vais toucher ma cuisse avec le bras opposé et je reviens en planche. D'accord ? Sinon, je le fais de cette manière en gardant mes quatre appuis. Vous faites ce qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Allez, on serre le bas de son ventre, on n'écrase pas les épaules dans les oreilles et on garde une belle planche. Avant de repartir, je vérifie, belle planche et je repars. Planche et je repars. On descend pas trop le bassin. Allez. Ok. Et on se relève. Respirez 15 secondes. On enchaînera avec la fente. Kick avec ou sans le saut. D'abord côté droit, puis côté gauche. On part en arrière. On se prépare. Et on descend et kick. Ça, c'est l'option 1. Toujours du même côté. Et si ça va, je rajoute le petit saut. Pas besoin de sauter très haut, hein. Ça rajoute une instabilité, un petit travail. Allez, j'amène bien la jambe derrière pour placer mes genoux. J'étire bien le dos. On souffle. Allez. Ok, on relâche et on change. On se place, on respire, on décolle le talon, on se grandit. On prend la récup. Et on descend. C'est parti. Je pousse dans mes orteils. Ou pas, hein. Vous choisissez. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche, en poussant. Allez, on tient. Ok, relâchez. Il nous reste déjà plus que 3, on a fait la moitié. Donc ici, on vient se placer en planche. Les épaules derrière les poignets. Et c'est parti. Avance et recule. Avance et recule. Ou alors je reste en planche, jambes sur les genoux ou sur les pieds. On pense à serrer le bas de son ventre. On pense à allonger la nuque. Tout petit mouvement qui a l'air de rien, mais qui rajoute hein, quand même du travail, de gainage, bas du dos, abdos et stabilisateur de l'épaule, hein, de l'omoplate. On repousse le sol toujours. On tient, on tient. Ok, et relâchez. On se remet debout pour le squat. Il nous en reste 2 pour cette première série. Allez. Et je descends et je monte. Ça, c'est la première option sans le saut. Tonicité dans les bras, ça bloque en haut. On étire et si ça va, je saute. On doit avoir la tonicité dans les bras. C'est pas tout mou, c'est pas tout relâché. C'est vous qui amenez vos bras là-haut. Hop, je bloque.
Hop, je bloque. Hop. Vous devez être tout en tonicité, tout le temps. Allez. On protège ses articulations. On ne tend jamais complètement les genoux. Et on étire le dos. Sans casser la nuque. Allez, allez. Ok, relâchez, c'est déjà le dernier. Allez, on s'allonge sur le ventre. Et on choisit les options. Soit ici, je décolle les jambes. Soit ici, soit avec les bras. C'est parti. On glisse les omoplates vers le bas. On inspire le ventre contre la colonne. Et vous devez loucher sur votre tapis là. Hein. Je regarde toujours le sol. Le bassin ne bouge pas, les jambes ne bougent pas, c'est que les bras. Pensez à bien respirer. Allez. C'est bien. On tient. Allez, allez. Ok, vous relâchez. Vous poussez les fesses derrière. Vous étirez le bas du dos. On fait une petite minute de récup. Et on fait la même chose une deuxième fois, pareil, ok? Donc là, c'est la dernière série sur ces exercices, donc vous mettez hein, ce qui vous reste. Donc exactement pareil, avec les options, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin d'allonger la pause, hein, vous mettez pause et puis vous reprenez après. Sinon, on va enchaîner. Donc, le premier... Ici, c'était fente, squat, fente, latérale, ok? On va reprendre ça. Je ne voudrais pas que vous vous refroidissiez. Alors, on se place. Allez, c'est parti! J'étire bien. Je pense à respirer. Même si vous ralentissez, vous gardez la tonicité. Allez. Jusqu'au bout. On peut être moins long, moins rapide, pardon. Moins ample. Mais on le fait jusqu'au bout. Allez, plus que 5 secondes, c'est déjà fini. Ok, relâchez. Le suivant, c'est... la planche, pyramide 3 points. Donc, on se met en place sur le tapis. Les mains bien écartées. Je place ma planche. Je me grandis. Et c'est parti. On serre le bas de son ventre. On se grandit. Toujours. Vous devez... contrôlez votre mouvement avant tout, contrôlez votre posture avant tout. Ne cherchez pas à aller trop vite, cherchez à tenir dans une posture juste. Vous vous sentez léger et tonique. Allez, encore. Ok, et relâchez. On enchaîne avec la fente. Kick. On se relève, pied parallèle, une jambe derrière, je décolle le talon. On est déjà prêt à partir. D'abord tout à droite, puis tout à gauche. Allez, on se place, ça va repartir. Et on y va. Hop. 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 Toujours les deux genoux alignés avec les chevilles. Toujours bien en conscience que c'est les cuisses, les fessiers qui travaillent et pas le genou. Hein. Je ne dois pas le sentir dans le genou. Sinon, je ne fais pas le saut ou je descends moins bas. Allez. Ne vous laissez pas partir en arrière. Cherchez plutôt la hauteur. Jusqu'au bout. Ok. On relâche un peu les jambes. On fait tout de suite côté gauche. Jambes derrière. Décolle le talon, grandis-toi. On inspire, on souffle. Et c'est reparti.
descends à genoux. Descends à genoux. Perdez pas l'équilibre, hein. Pas comme ça. Vous serrez bien le ventre. On se grandit. Allez, jusqu'au bout. Et on va lâcher la planche. Donc avec les épaules un petit peu à l'arrière des poignets au départ. On se place. On se repousse. On est déjà étiré. Et c'est parti. On sent que ça tire dans les mollets quand on revient en planche avec les épaules vers l'arrière. Très bien au niveau des bras, au niveau du haut du dos aussi. Hein. Allez, on le tient. Allez, courage. Gardez bien la planche, hein. Montez pas les fesses. Ok. Allez, plus que deux et on y sera. Le squat. Relâchez bien les genoux. Et c'est parti, descend et monte. Je regarde plutôt vers le sol, hein. Que devant moi, je casse pas la nuque. Les bras glissent sur le côté et sont toniques. Boum en haut. Hop. Boum en haut. Allez, encore. Ok, allez, le dernier, on y va, on s'allonge ici. Et on décolle. Pousse l'eau, ramène l'eau. Allez, on pousse, on ramène. On serre le bas de son ventre. On abaisse ses épaules. On monte ses jambes, on serre ses fessiers. Allez, je suis pas en apnée, on respire, hein. Allez. On tient. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok, relâchez. Poussez les fesses derrière. Étirez, buvez un coup. C'est très bien. Bravo. On a fini la première partie. On va juste finir avec un petit peu de renforcement musculaire. Trois fois rien. Donc je vais lancer le timer et je vous les montre au fur et à mesure parce que c'est vraiment pas compliqué. Donc on va enchaîner des mouvements. Donc des mouvements de renforcement musculaire plutôt au niveau hein, des jambes, des bras, en gainage et dynamique. On va attaquer tout de suite. Je lance le timer ici. Pied parallèle, on relâche les genoux, on se grandit, on étire les bras. On prend appui sur une jambe et petit battement sur le côté. En tendant bien la jambe. En pliant la jambe d'appui légèrement, en fléchissant tout petit peu le genou, en abaissant ses épaules. On se grandit, on s'étire, on serre son ventre.
Ok, et tout de suite ici, on est en squat et petit battement de bras. Abaissez les épaules. En position de chaise, petit battement de bras dynamique. On serre le bas de son ventre. On abaisse bien ses épaules. Il n'y a rien qui doit bouger, hein? Allez, on l'étire. Ok, on relâche et on change de côté. Battement. On le sent moyen fessier, ici sur le côté. On étire bien ses bras, on ne les lâche pas. J'étire à partir des épaules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Allez. Ok, on relâche et petit battement, c'est pareil. Ça repart. On pousse les fesses derrière. Dynamique sur les bras. On le sent bien au niveau des épaules, au niveau des cuisses. Allez, on tient le front vers le sol. On pense à bien respirer. Ok, on relâche et on va se mettre en fente. Ici, je décolle le talon et je monte et je descends les bras. Les deux genoux alignés, un genou vers le sol, le genou de la jambe arrière vers le sol, sans monter les épaules, je monte les bras, on respire. Les bras plient sur le côté, ok, on reste en bas. Petit cercle. Allez. Je reste en bas, je vérifie ma posture, je me grandis. Encore, on tient sans poser le talon au sol. On étire bien les bras. Encore. Jusqu'au bout. Allez, 40 secondes, c'est rien, on y va. Ok, on remonte et on va changer de côté. C'est parti. Hop. Je monte, je descends, les bras glissent sur le côté. Regardez bien devant, on tient, hop, on reste en bas, petit cercle, mais dans l'autre sens, vers l'intérieur, allez. Allez, on tient la posture. Allez, allez, jusqu'au bout. Courage. Plus que quelques secondes. Ok, et relâchez.
Allez, donc on a bien travaillé les épaules, les jambes. Je vous sens en forme là aujourd'hui, donc on va se refaire une deuxième série avec des petites variantes, d'accord? Donc, buvez un petit coup et dernier petit effort, promis après, je vous laisse tranquille. Donc là, à peu près le même principe avec des petites variantes. Allez, ça repart, on se place ici, on se grandit et petit bâton, mais si ça va, sans retoucher le sol, tout petit. Allez, je peux placer les bras ici hein, si je sens que je commence à fatiguer au niveau des épaules. On tient son équilibre, on serre son ventre, on étire sa jambe. Allez, encore. Ici ou ici. Allez, bassin bien dans l'axe, jambe dans l'axe. Ok, je relâche et ici je descends et tout petit squat. Pensez à bien étirer votre dos. On reste bien en bas, on sent au niveau des cuisses. Ok, on relâche, petit battement sur le côté. Sans reposer au sol si ça va. Pas les bras où on les place ici, hein, mais pas ramolli ici, on se tient jusqu'au bout. Allez, courage! On pense à bien engager son centre. Ok, allez, petit squat, c'est parti! On enchaîne! Allez, allez, courage. Ok, allez, fente, jambe droite derrière. Des grandes, puis des petites. C'est parti. Comme tout à l'heure, pour l'instant des grandes. Flexion des genoux à ajuster en fonction de sa sensation articulaire. Allez, là ça commence à chauffer dans les cuisses, hein, courage, c'est presque fini. Allez, là c'est le meilleur. Petit en bas, on les tient, allez. On ne s'écrase pas, on se grandit. On tient. Allez, encore. C'est rien, courage. Allez. Après, il ne reste plus que la jambe gauche et on sera bon. C'est presque fini. Allez, allez, courage, plus que 5 petites secondes. Et tu relâches, jambe gauche. C'est parti, on enchaîne les grands. J'ai bien mes deux jambes légèrement décalées, j'ai bien mes épaules abaissées. On se concentre sur sa posture jusqu'au bout. Hein. Coccyx vers le sol, bas de la colonne qui descend, le dos long.
souffle bien quand on remonte. Allez, ça va être les dernières secondes là. Hop, petit. Allez, plus qu'une poignée de secondes. Que vous aurez mérité la douche. Courage. Allez, le regard bien devant jusqu'au bout. Écrasez pas, hein, les épaules vers l'avant. Redressez-vous. On le tient avec classe jusqu'à la fin. Allez. Et relâchez. Bravo à vous pour cette séance. Super. Allez, on va juste s'étirer pour relâcher un peu quelques secondes. Vous relâchez un peu les jambes là. Et vous allez inspirer, soufflez, inspirez, on fait un angle droit, on pousse les fesses vers l'arrière, et soufflez, relâchez, inspirez, tirez, soufflez, descend, on inspire, là c'est tiré, souffle, relâche, inspire, et dernière fois, souffle, inspire, vous restez quelques secondes là, en poussant les fesses derrière, pour étirer l'arrière des jambes, vous retirez le dos, main sur les cuisses, main sur les tibias. Ok, souffle, tu relâches, inspire, t'étire, tu te grandis, t'étire, t'étire, et tu souffles, tu relâches. Un grand bravo à vous, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça va donner un petit peu d'énergie. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci à vous.